Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de la série Black Mirror puis on répond à la question, est-ce que je l'écoute ou pas? Pourquoi du thé c'est brûlant, après ça c'est glacial? Pourquoi pas tiède? Pourquoi? Comment expliquer Black Mirror? C'est une série britannique, 2 saisons de 3 épisodes chacune, avec un Christmas special. Et ensuite, en 2013, Netflix a acheté la série et a commandé 2 saisons de 6 épisodes chacune. Donc là, sur Netflix, il y a saison 1, 2, 3. Pour un total de 6 plus 7, 13 épisodes. La longueur des épisodes tourne autour de 45 minutes, 1 heure environ. Je peux pas vraiment raconter l'histoire parce que chaque épisode, c'est une histoire complètement différente avec des acteurs complètement différents, des personnages différents, un monde différent. Mais il y a toujours quand même un même thème récurrent qui est le côté sombre des nouvelles technologies. C'est toujours une espèce de question de si on poussait telle affaire au maximum, qu'est-ce qui arriverait? Sans plus tarder, je vais donner mes 5 raisons pourquoi écouter Black Mirror ou pas. La première raison, c'est pour le cast. C'est vraiment le fun parce que vu que c'est un casting différent à chaque épisode, on a l'occasion de voir plein d'acteurs qu'on aime. Il y a un épisode avec Bryce Dallas Howard, un avec Donald Gleeson, un avec Hayley Atwell, c'est le même des deux dans le même. C'est le fun parce que ça donne l'occasion de voir plein d'acteurs qu'on aime et d'en découvrir aussi des nouveaux, puis c'est tous vraiment des super bons acteurs. La deuxième raison, c'est pour la qualité des histoires. C'est le créateur de la série, Charlie Brooker, qui a écrit la majorité des histoires, donc la majorité des scénarios, et c'est honnêtement pas mal toutes. Je les ai pas toutes vues encore. J'ai vu les 2 premières saisons, et il y en a 1 ou 2 que j'ai un peu moins aimé, mais règle générale, c'est toutes des histoires vraiment fascinantes. Ça parle de sujets qui nous touchent beaucoup, dont les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, sur le futur, comment l'opinion du public peut être manipulé par les médias et tout ça. Donc c'est des sujets qui sont très importants en ce moment et qui nous ouvrent les yeux sur beaucoup de choses. Donc c'est ça, numéro 2, les histoires sont bonnes. La troisième raison, c'est le fait qu'on peut écouter les épisodes dans le désordre. C'est le fun parce que c'est le genre d'émission qu'on peut écouter un épisode un soir, arrêter d'écouter pour un bout, le reprendre plus tard, montrer un épisode à son ami, en skipper un, en réécouter un, il n'y a pas de problème. C'est vraiment toutes des histoires qui vivent chacune, qui sont des entités. La quatrième raison, ben c'est la même raison que je viens de dire. Ça peut être un point négatif ou positif parce que c'est toujours différent, parce que chaque histoire est une histoire à part entière. On n'a pas le temps de s'attacher au personnage. Personnellement, au début, je pensais vraiment que ça allait me gosser parce que moi, ce que j'aime le plus de la télévision, c'est le fait qu'on peut revisiter les mêmes personnages pendant des années et des années, vraiment s'attacher à eux, les voir évoluer. Ben là-dedans, on les voit pendant 45 minutes, après ça, on les voit plus jamais. Mais c'est pas grave, ça enlève rien à la qualité des personnages, à la qualité des acteurs aussi, puis à la qualité des histoires. Et la cinquième et dernière raison, c'est pour pouvoir en jaser après. C'est vraiment des histoires qui sont choquantes pour la majorité et qui nous font aussi nous poser des questions. Pour ça, c'est vraiment le fun. C'est rare qu'une série donne autant de sujets de conversation et raise autant de questions et de débats. C'est parce que c'est intelligent, c'est super bien écrit et parce que ça parle de problèmes qui nous concernent vraiment en ce moment. Dans le fond, comment le créateur le décrit, c'est que ça montre ce que notre réalité pourrait devenir si on perdait le contrôle. Bon, mais c'était short and sweet, mon histoire. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur Black Mirror. Laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle série vous aimeriez que je parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et puis nous, on se voit très bientôt.